on se retrouve pour notre première vidéo. Nous sommes à Village Outlook, à Nayou. Et dites-nous en commentaire qui y allait. Et on vous mettra nos barres de Snap et d'Asta dans les commentaires. Donc nous allons commencer avec ce magasin. Et tout d'abord, nous allons vous montrer les tenues du jour. Alors, un bas. Des chaussures fila. Rentrer dans le tir dans le pantalon. Ah merde, j'ai perdu le nom. Un manteau. Et c'est une vie. Donc un Bob Marley. Bon, ok, j'arrête. C'était nul, ça, Emily. Donc nous commençons. Donc un Bob Adidas. Yes. Des boucles d'oreilles. Attends, on va filmer sur les boucles d'oreilles. Là, c'est là. Ensuite. Ensuite, un t-shirt. Donc un t-shirt Lacoste, enfin un t-shirt quoi, rentré dans un pantalon. Oula. Vans. Et voilà, et ensuite, ben voilà. Et les magnifiques chaussures qu'elle kiffe. Donc nous allons avec le premier magasin. Galerie Lafayette. Elle est trop prisée. Donc là, on est à l'étage fille et en gros, regardez, on a deux sacs. Il est plus grand que toi, Emily. Un sac, il m'a dit non. Je trouve que je vais grave m'acheter depuis longtemps. Et c'est parti. Tu nous amènes où là? Oh my god! C'est des chaussures et des chaussons que je voulais grave m'acheter depuis longtemps. Ils sont rouge bordeaux et il y a un petit truc et ça. Et ça, ça coûte 99 euros. Donc c'est dans peut-être dans mes budgets. Ah et oui, pour la maison, pour marcher avec, c'est super vraiment pour la maison. Pour traîner comme ça, comme des sabots, c'est super cool. Oui, elle voulait aller aussi au magasin Crocs parce qu'elle voulait aussi des sabots. Elle disait que c'était quand même plus solide. Ma taille 44. Donc voilà, c'est super cute, super tendance. Je vous conseille vraiment d'acheter. Promo. Promo. La dame est en regard. Hey, next. On va passer à l'étage. Donc next, on monte en. Ah oui, c'était une petite queue de cheval. Ouais, pour le délit. Promo. Pour les chaussures. Ça, parfait pour ma petite taille de gazelle. C'est quoi ce truc? Ah, c'est les culottes que quand j'étais petite. Voilà, il y a pas mal de sacs, mais moche. Enfin, pas à mon goût. En descendant, il y a personne, c'est cool. Ouais, c'est. Ah ouais, t'es malade là, non mais t'es malade là. Donc nous continuons notre shopping. Ouais, ben pour l'instant, là il n'y a pas de trucs qui me. Non. Bref, nous rentrons. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Oh, c'est Monsieur Béron. Ouh, oh my god. It's Mrs. Béron. Il y a Puma déjà, c'est quand même pas mal. Ouais, Puma. Il y a des chaussures à Puma. Puis on va voir. Ouais. C'est lui qui portait souvent du Puma. Anthony. Breton. C'est les logos Mercedes derrière. Regarde BM. Ouais. C'est pas les chaussures que ton père il a. Non. Allô? Là on est dans le truc sous Flo. Ouais. Oui. Puma c'est pas non plus de la merde. Mais oui, oui, loin de là même. Hein. C'est loin de là. Ça. Bon, donc je pense qu'on va sortir, à part si nous voulons quelque chose d'autre. Moi, en fait, je cherchais juste des habits de sport. Donc, nous sortons. Oula, pardon, je crois que c'était. Je vais me prendre le truc. Je me le suis déjà pris. On arrive à la fin de l'allée, nous allons commencer la deuxième. L'allée se finit avec les Cooper.
Je t'ai parlé des coupeurs. Oui, là tu parlais pas du des coupeurs. Des coupeurs. Ouais. Yes. Là, qu'on voit, tu veux qu'on y aille? C'est quoi en fait? Oh putain. Regarde ma tête de paysanne là. J'ai cru que c'était Lilou là. Les cheveux. Elle avait exactement les mêmes cheveux. Ouais. Je sais pas si on arrive à pécho grâce à YouTube, je dis merci. Ça m'étonnerait quand même. Ils ont pas des bouches oranges. Ouais, non, ça va. Il y a pas trop. PPG, c'est au taquet cher là-bas. Oh, bah alors ça va, c'est cher, c'est que c'est de la bonne qualité. Bonjour. Donc nous sortons du magasin parce que rien ne nous a plu. Qu'est-ce que c'est? C'est là. Oui. Tiens, on va à The Body Shop d'abord. C'est quoi? C'est trop bien. Bonjour. Bonjour. C'est quoi? Je voulais un exfoliant pour les lèvres. Et en fait, il va. Ah, ben c'est vraiment mal, ok. Mais si tu veux, t'as un magasin L'Oréal alors, en bas. Ouais, mais c'est. Ça coûte cher, frère. Ah, mais là aussi, ça coûte cher. Du poil. Ok, on fait le tour. Il n'y a pas les crèmes pour le visage. C'est crème pour le visage? Bonjour. Par contre, il est interdit de filer dans la boutique. Hein. D'accord, pourquoi? C'est interdit. Ah, d'accord. Bon, bah, est-ce que. Voilà. Donc du coup on est dans L'Oréal. Ah mais il y en a là-bas aussi. Oui. Non, pas des rouges à lèvres. Hein. C'est juste là. C'est ah ok. Mais si tu veux, t'as des rouges à lèvres L'Oréal et tout là-bas. Hein. Ah mais ici c'est. Donc. Du coup là on est parti du magasin de L'Oréal parce que on ne trouvait rien. Ouais. On s'est dit bon. C'était un peu cher aussi. C'est vrai. En même temps. Ok, donc là on va aller à Haribo et on va voir ce qu'on trouve. C'est ça, si on trouve quelque chose ou rien, mais je pense que bon, là on devrait faire une exception, on devrait trouver quelque chose. Oh, on a oublié Levi's. Donc du coup là on se dirige vers Levi's. Et on vient de finir L'Oréal. Et après, on va aller à Haribo et après à la cafétéria pour prendre un petit. Et après, truc. Un Nike et au chocolat. Welcome! Welcome? Pourquoi tu dis welcome? Ah, mais... Bon, il n'y a pas trop. Ouais, j'ai pas trop coup de cœur. Bon, ouais, allez, go. Magasin informatique. Désolée, il faut aller là, Emily. Ça s'appelle. Bonjour! Au revoir! C'est même un peu stressant. Ouais, j'avoue. Elle est là. Ça va, ça va? Ouais. Écoute, là, c'est une blague, il y en a vu un mec qui m'a regardé, il a fait ça. Mais c'est qu'il a la... ça, en regardant mes seins. Ça va, est-ce que ça peut arriver? Du coup, pour comme ça le goûter, on a pris un sandwich qu'on s'est partagé à deux avec une boisson. Bon, ouais, ça, c'est le truc de tout à l'heure. D'ailleurs, elle arrive, ta coffre? Ma coffre! Oh, c'est quoi ce service là maintenant? De nos jours, hein, c'est plus très efficace. Hein. Viens, on va jouer à l'air de jeu. Viens, on va faire. Elle m'a dit, il y en a encore pour 10 minutes. Je suis là, pardon. Non, mais elle va durer encore 20 ans, hein, ma gaufre. Hein. Elle m'a dit, elle n'est pas faite encore. Je t'ai dit, vous foutez quoi depuis tout à l'heure? Tu as eu ça? Non. Donc, moi, l'air de jeu. Putain, ça sent bon, là. Je peux en goûter? Une autre gaufre. Elle est trop bonne. Arnaque. On ne t'a pas donné de serviette. Coquine. Qu'est-ce que tu nous fais? Je m'enlève la queue du cul. Ouais. On est allé à la boutique Nike et... On a dansé devant les miroirs, enfin logique en fait. Enfin, pour moi, nous, c'est logique en fait. On s'est tapé le cul voir si c'était bien et tout, c'est bien souple et tout. Et il y a un mec qui commence à nous regarder en mode. Et après, on commence à rire et tout, on était là. Mais bon, aucune gêne, on est des Marseillais. Oh, notre chaîne, elle va s'appeler Les Marseillais.
Oui. 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 On vient de découvrir que notre chaîne, elle pourrait s'appeler Les Marseillais. Donc merci beaucoup, notre intelligence intellectuelle. Bon, bref, on va à Aline. Attends, il faut le cacher dans les buissons. À quoi? Il enferme dans les toilettes. Il y a des toilettes à droite. Au pire, moi, je reste aux toilettes. Non, non, il faut y aller à deux. Ah, non, on y va à deux, on va y arriver. On met les dans la poubelle, après on le récupère. Non, on peut plus mal prendre. T'imagines, il y a quelqu'un qui vide la poubelle. On se retrouve 2 jours après le tournage. Le problème, c'est qu'on a vu, on était en train de faire le montage, que sur les pièces audio, il n'y avait rien. Enfin, vraiment, il n'y avait plus de son du tout. Donc, on était là en mode... Quoi? Pardon? Donc, c'était la merde. Donc, du coup, on a décidé de vous dire au revoir maintenant. Et donc, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des pouces bleus et activer la cloche. Bye! Bye.